12 ans déjà que je pratique la magie, la spiritualité, et 5 ans maintenant que j'anime des communautés autour de la magie saisonnière, où on célèbre depuis 5 ans chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, chaque passage de saison. Et les arts divinatoires ont toujours été au cœur de mes pratiques. J'organise notamment des challenges tarot oracle pour chaque passage de saison. Et pour transmettre cette magie, j'écris énormément. J'écris des prières, j'écris des rituels, j'écris des incantations. L'écriture est vraiment au cœur de mes pratiques ésotériques. Alors c'est devenu comme une évidence pour vous accompagner dans la magie des cycles de la nature, mais aussi de la vie, de la mort, de la renaissance, de la magie. Il nous fallait un support divinatoire, un oracle. Et si j'ai l'expérience de l'écriture, de la pratique divinatoire, de la magie saisonnière, il me manquait quand même les illustrations pour exprimer ces messages, pour vous accompagner dans ce voyage initiatique à travers les cycles. Et comme dans tout ce projet, de A à Z, tout fut une évidence. Leslie était là. Elle était là depuis plusieurs années à pratiquer avec moi la magie saisonnière. Leslie, art-thérapeute, qui sait manier les couleurs, les formes pour exprimer les symboliques, les archétypes et porter mon message. Alors voilà, tout ça c'est une grande aventure humaine avant tout. Tout a été simple et limpide, tout a été évident, tout a été dans le soutien et l'écoute. Alors ce n'est pas sans émotion que je vous le dévoile petit à petit aujourd'hui et que bientôt vous pourrez l'avoir entre vos mains pour vous aussi vivre cette expérience magique. Merci à nos éditrices et à la maison Le Lotus et l'Éléphant pour leur confiance, leur accompagnement, pour avoir fait naître ce projet. Merci à Leslie d'avoir accepté de mettre tout son cœur, son âme et son art au service de cet oracle. Merci à la communauté de Mystic Moon de m'avoir tant inspiré, soutenu, pour que cet oracle ait un sens entre vos mains. Merci à l'invisible qui circule dans l'énergie des cycles et qui m'a insufflé la magie saisonnière.